Salut tout le monde, merci d'être clear pour le sub. Alors, note clear, mais je viens d'ouvrir en panique mes petites listes parce que je les avais oubliées. Si tu veux choisir un véhicule, choisis donc. Ouais, le T-34, énorme morceau. C'est mon premier char russe. Le Ki-5T. Attends, j'ai bien lu. J'ai bien lu, j'étais sur mon... Le Ki-51. Alors, je crois que le Ki-51, pépère, il a été choisi il y a très longtemps. Laisse-moi vérifier. Parce que si on parle du Tony, c'est quand même un avion. Ça m'étonnerait que quelqu'un l'ait pas choisi. Le Ki-51. En plus, c'est un avion que j'aime bien. Il n'y a pas eu beaucoup d'avions avec des moteurs en ligne dans l'armée japonaise. Non, mais t'es sérieux? Ah, c'est un avion à console léger. Attends, je me trompe. Je me trompe. Oui! Bah non, mais celui-là, je l'ai pas, j'en suis sûr. Mitsubishi Ki-51, d'accord. Je me trompais d'avion. Bien vu. Hop là. Celui-là, je l'ai pas. J'en suis sûr et certain. C'est con, mais je connais bien mes listes, en fait. Je commence à connaître mes listes, à force de les voir. Non, je ne l'ai pas, bien vu. Hop là. Merci à toi. Voilà, c'est noté. Donc ouais, le T-34, c'est un gros bébé. Le problème, c'est que c'est mon premier char russe. J'ai fait 14 War Tank, je crois. Ouais, 14, pas mal. C'est le premier char russe. Et pas des moindres, puisque je pense que c'est quand même le char le plus important, peut-être un des plus importants dans la Seconde Guerre mondiale. Que ce soit au niveau influence, mais aussi mythologie. Bah ouais, on a des chars mythiques, hein, je suis désolé. On a le T-34, on a le KV-2, on a le Tigre, le Panthère. On a des chars mythiques, le T-34 fait partie des chars mythiques. Je me suis rendu compte que c'était impossible de traiter ça en une partie. Déjà, j'ai horreur de parler seul pendant 3 ou 4 heures. Mais au moins, le Charman, bien sûr, le Charman. J'ai donc décidé de traiter ça en deux parties. Parce que je peux pas parler du T-34... sans parler de l'Union soviétique et de comment elle est arrivée avec un T-34. Le T-34, il n'est pas sorti de nulle part. Le T-34 est logique. De la façon dont il est arrivé et mis en service, c'est logique qu'il soit là. C'est pas un miracle technologique de quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est logique. Il faut que j'explique pourquoi les Russes en sont arrivés à sortir un char avec ce design en 1940. Donc je vais devoir partir de plus tôt que ça. Je vais devoir expliquer... comment les Russes fonctionnent dès les années 30 et qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont eu des problèmes. Je vais parler des problèmes. Et coucou les BT, absolument. C'est impossible de parler d'un T-34 sans expliquer, sans parler des BT. Parce que c'est là, c'est littéralement un BT. Ça serait un BT-8, le T-34. Il vient des BT. Et vous pouvez pas non plus expliquer les BT sans parler de la doctrine russe, de la guerre de mouvement et la théorisation pour eux de la guerre, de la doctrine de la guerre en profondeur. Et c'est... Donc je vais prendre... Ma première partie va pas tant... Ça va pas être tant que ça le T-34, ça va surtout être de repartir... ça va être de repartir à la base, de repartir d'où vient toute cette doctrine de l'Union soviétique. Et de développer ce genre de char, parce que le T-34... est un char, en termes de design, qui est moderne as fuck. Surtout pour 1940, quand on voit ce qui se fait ailleurs. Donc, et je vous dis, c'est pas un hasard. Ce char n'est pas un hasard du tout. C'est la continuation logique de ce que les Russes mettent au point depuis plusieurs années. Et les Russes ont des problèmes. Les Russes ont des énormes problèmes dont je vais parler. Au niveau du complexe, de la qualité de ce que leur complexe militaro-industriel peut faire. Ils ont des qualités, ils ont d'excellents ingénieurs, mais ils ont, soyons honnêtes, un manque criant de main-d'œuvre qualifiée, de machines-outils efficaces, qui va avoir une influence, forcément, sur quand vous produisez vos chars. Donc, il faut voir qu'un design peut être bon sur le papier, mais le char produit, peut-être, va avoir des problèmes parce que la qualité ne suit pas derrière. Un autre gros problème que je vais aborder... C'est la façon dont on traite aujourd'hui l'armée rouge. Les choses ont pas mal changé en 30 ans avec avec l'ouverture de toutes les archives. On a pu avoir un énorme travail d'historien qui a été fait.
Mais il y a encore énormément aujourd'hui de mythes qui perdurent, particulièrement sur le front à l'Est. Barbarossa est rempli de mythes, encore aujourd'hui, dès que je me balade sur les réseaux sociaux, je suis sur pas mal de groupes, Facebook et tout, d'histoires. Je suis horrifié de voir à quel point vous avez des mythes et des légendes qui continuent encore d'être considérées comme des faits historiques valables alors que ça a été debunk depuis 30 ans. Des gens qui vous sortent des mythes comme ça, c'est des gens qui ne lisent pas 64 Jam, qui ne lisent pas de livres, qui n'apprennent pas. Et l'énorme problème avec Barbarossa, et ça c'est important d'en tenir compte, c'est que très souvent on dit que c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Regardez, j'ai gagné la guerre, j'écris l'histoire. Faux. On a des exemples au XXe siècle où c'est les vaincus qui écrivent l'histoire. On a la guerre d'Espagne où 95% de la littérature de la guerre d'Espagne, c'est des républicains. C'est ou des gens affiliés aux républicains. Les nationalistes ont très très peu écrit, même au niveau historique, ont très très peu écrit sur leur victoire pendant la guerre d'Espagne. Par contre, vous regardez, vous allez trouver une quantité incroyable de bouquins écrits par les républicains ou par des gens affiliés aux républicains. Ce qui est assez dingue quand vous y pensez. La Seconde Guerre mondiale, c'est pareil sur le front russe. Ça peut sembler bête, mais les Russes n'ont pas écrit. Après-guerre, les Russes ont très peu écrit. Par contre, qui a beaucoup écrit dans les années 50, 60, 70? C'est les généraux allemands. Par exemple, en voilà un que vous connaissez, Guderian. Encore, je conseille son excellent livre Achtung Panzer. Encore Panzer Leader, je vous demande de prendre avec des énormes pincettes. Illumine-moi de ton foutre. Merci Naka pour le resub. Mes listes sont ouvertes, Naka, si tu veux choisir un avion ou un chat. Va falloir avoir de l'imagination maintenant, parce que mes listes commencent à être complètes. Les généraux allemands ont totalement réécrit l'histoire à l'Est. Et le problème, c'est que pendant longtemps, c'était la seule source d'écriture qu'on ait eue sur Barbarossa. Avant que les historiens fassent leur travail, on a considéré que les généraux allemands, mais aussi on a Dukov qui a écrit ses mémoires, on a longtemps considéré que ce que ces gens disaient comme des faits historiques viables. Il y a eu un énorme travail dans les 30 dernières années pour montrer à quel point les généraux allemands ont réécrit à leur compte, pour des raisons peut-être volontaires ou involontaires, de biais volontaires, de biais non involontaires. Ils ont réécrit l'histoire à leur compte. Pour justifier leurs échecs, ils ont chargé des choses qui n'étaient pas dans leur... Jamais vous allez voir Guderian dire « Ah bah ouais, mais on n'a pas pensé à faire de la logistique, Hitler a dit ça, c'est le général Hiver qui nous a arrêtés. » Ils parlent tous du T-34. Ils parlent tous du T-34 comme une machine de guerre absolument incroyable, inarrêtable, qui était incroyable. Ouais, bah vous en avez quand même pété 2500 des T-34 en 1941, les gars. Donc, doucement, hein. Il faut pas prendre ce que les généraux... C'est intéressant, ce sont des témoignages intéressants. Mais on sait aujourd'hui à quel point ces témoignages sont faux. Le plus bel exemple, c'est le général Hiver. Les généraux allemands vous mettent à toutes les sauces que c'est l'hiver qui a stoppé les Allemands. C'est faux. C'est faux, au contraire. L'hiver a favorisé les Allemands, puisque quand le sol gèle, fin novembre, les Allemands peuvent recommencer enfin à avancer avec leur Panzer. L'hiver va favoriser les pointes blindées allemandes en rendant le sol dur pour leurs chars. Jamais les Allemands vont autant avancer vers Moscou que quand l'hiver arrive. Mais les généraux allemands, ils peuvent pas dire dans leur bouquin que c'est à cause de leur ligne logistique trop étendue, que le fait qu'ils ont aucune logistique, que les pointes s'arrêtent, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de bouffe, les soldats sont épuisés après 6 mois de combat, il n'y a pas de remplacement qui arrive, les voies ferrées sont bloquées à Smolensk. Jamais vous allez voir un général allemand dire dans ses bouquins que c'est la logistique la cause première de leur défaite pendant Barbarossa, et qu'ils sont entièrement responsables de cette défaite. C'est eux qui ont mal préparé, mal conçu, c'est l'armée allemande qui n'était pas, de façon doctrinale, prête à une guerre avec l'Union soviétique, d'un point de vue logistique. C'est plus simple d'accuser le général Hiver et de dire « Oui, il a fait moins 50, moins 60 l'hiver du siècle !» que dit Guderian dans son bouquin. Mais n'importe quoi, on a les rapports de la Luftwaffe aujourd'hui qui ont été sortis des archives. La Luftwaffe avait un service météorologique particulièrement performant pendant toute la guerre. Les mecs sont allés foutre des stations au Spitzberg, au Canada, pour la météo. Les Allemands étaient excellents pour la météo. Les températures les plus froides en hiver 41, c'est du moins 30, moins 35. Les températures moyennes de l'hiver 41 en Union soviétique devant Moscou, on est en moyenne sur du moins 15, moins 20. On est presque sur des trucs de saison. Ça a été un hiver froid, mais en aucun cas, ça a été un hiver plus froid que nature. C'est juste que l'hiver, en temps de guerre, est toujours froid.
Quand vous faites la guerre, l'hiver est toujours plus dur qu'un hiver normal. Surtout quand vos armées sont épuisées, que vous ne pouvez pas les ravitailler. La cause première de l'arrêt allemand, c'est pas le général hiver, c'est simplement la logistique. Les Allemands sont incapables de ravitailler leurs soldats, les soldats meurent sur place, les soldats sont épuisés, meurent de froid parce qu'en plus ils sont épuisés. C'est un ensemble de choses et la logistique est la première cause de la défaite. Donc c'est plus simple d'accuser l'hiver. Et ça, c'est un mythe qui perdure encore aujourd'hui. Et quand je vois des mecs qui me sortent des oui, l'hiver, l'hiver, mais non, mais les gars, les Allemands abandonnent leurs véhicules entre autres parce qu'ils ont même plus d'essence. Pas, ils ont plus d'essence, plus de pièces détachées. Oui, potentiellement parfois le moteur fait l'huile gèle dans les moteurs et tout ça. Mais moins 15 sans équipement, c'est compliqué, absolument. Mais entre moins 15 et moins 50, il y a un monde. Les Allemands, les généraux allemands, disent toujours, il a fait moins 50, moins 60 et tout. C'est faux. C'est faux. Quand t'es un peu équipé, moins 15, c'est pas une catastrophe. Si tes soldats sont bien nourris, que t'as de la main, que t'as de la viande, et que ta viande est équipée, moins 15, c'est pas un problème. Le problème, c'est que les Allemands n'ont pas la logistique pour tenir du moins 15, parce qu'ils sont encore en équipement d'été, c'est con. Les Allemands vivent dès novembre 41 sur les restes de l'armée rouge. C'est-à-dire que les Allemands pillent les entrepôts de l'armée de Vjazma, qu'ils ont encerclés, et ils récupèrent des équipements russes, hivernaux russes, parce que bah ils n'en ont pas eux-mêmes. Et donc ça, c'est un des mythes, mais le T-34 est très souvent cité dans les livres de généraux allemands comme une arme miracle. Genre, je déconne pas, ils en parlent comme une arme miracle, ils savent pas quoi faire, blablabla, bla, bla, bla. Le T-34, le T-34, le T-34, à croire que si le T-34 était si incroyable que ça en 41, pourquoi est-ce que les Allemands, Barbarossa, passent crème? Enfin, c'est... Il faut remettre en question beaucoup de mythes, parce que tout à l'heure on va parler de Barbarossa plus en détail, et je vais vous expliquer pourquoi le T-34 n'est pas une arme miracle, et pourquoi les Allemands n'ont pas été tant que ça inquiétés par le T-34. Le T-34 est un bon char, mais le T-34 est totalement dépendant de son cadre tactico-opérationnel et logistique dans le cadre dans lequel il est utilisé. Et vous allez voir que c'est désastreux. Les Russes ont potentiellement un bon outil, mais tout autour de l'outil bah, tombe en ruine. Et vous allez voir que bah, le T-34, c'est comme des B1. Considérez le T-34 comme un B1 en 40. C'est comme ça que je vais le comparer. Ouais, bah, c'est bien. Mais... C'est tout, quoi. Et je vais rentrer dans le détail. Donc avant de partir sur ça, ouais, on va débunk quelques mythes sur T-34 pendant cet épisode. Parce que... En fait, des deux côtés, vous avez les Wehrabu qui disent les vagues humaines russes, les milliers, les centaines de milliers de tanks russes, et vous avez les Allemands qui disent le T-34 qui est incroyable. Les gens prennent un peu ce qu'ils veulent, au détriment parfois du cadre tactico-opérationnel, de la logistique. Au final, tout est plus simple quand vous commencez à étudier la logistique. Et on va parler des Russes en détail aussi. On va parler un peu du complexe militaro-industriel russe, parce que... Il y avait d'énormes problèmes chez les Russes, surtout au niveau de la qualité des équipements qui étaient produits, malgré des bons designs. Et ils vont jamais réussir à améliorer ça. En tout cas, notre histoire commence en 1929. En 1929, chez les Russes, on a toute une pépinière de jeunes officiers qui arrivent aux manettes. Le plus connu, c'est, je pense que vous le connaissez, hein, c'est Tukhachevski. Tukhachevski est pas seul. On a vraiment une génération très prometteuse d'officiers russes, une pépinière de jeunes officiers qui commencent très tôt à comprendre que ouais, ils soudaient même pas les plaques de blindage, ça ne servait à rien absolument. Mais ça, c'est un énorme problème d'Arfichkan. Si tu soudes pas tes plaques de blindage et qu'il se met à pleuvoir, il se passe quoi? Eh ouais, il se passe quoi si tu soudes pas tes plaques de blindage? Et Tukhachevski, avec toute sa clique de jeunes loups. Vont commencer à théoriser, sous l'œil bienveillant des bolcheviks, une nouvelle armée russe basée. En tout cas, les Russes vont très tôt apprendre. On oublie à quel point les Russes, dans les années 30, ont été des précurseurs en termes de guerre de mouvement, ah putain, d'opérations interarmes. Les Russes ont théorisé tellement dans les années 30. On voit souvent que les Allemands. Les Allemands, les Panzerdivisions, les Russes, avant les purges de 37, avant les purges de 37, qui vont être une catastrophe pour les Russes au niveau leadership, hein, et innovation. Avant 37, les Russes ont tout compris. Genre, je déconne pas, les Russes ont tout compris en termes de guerre dans la profondeur, unités mécanisées, ils ont déjà le concept de brigade blindée qui est sur pied, les Russes ont tout compris. Genre, ils sont au même niveau, voire en avance par rapport aux Allemands. Les parachutistes, j'ai vu quelqu'un qui a dit les parachutistes, mais bien sûr, regardez, j'ai ces très très belles photos
des grandes manœuvres entre l'ordre de guerre. D'ailleurs, là, je crois que c'est les T-26 à deux tourelles qu'on voit. Je crois qu'on voit du BT. C'est du BT-5 peut-être qu'on voit aussi. Du BT-5. Ceux qui ont des yeux plus avertis que moi me diront. Je crois que c'est le T-26 à deux tourelles et du BT-5 qu'on voit là. Les Russes vont non seulement théoriser énormément, mais vont aussi tester. On oublie souvent à quel point les Russes ont vraiment posé les bases de la guerre de mouvement. Alors vous allez me dire, mais Pépé, le T-26 a une seule tourelle avec un 45 mm. Non, Darfish, il y a eu une version du T-26 à double tourelle, il me semble. Il y a eu plusieurs versions du T-26. Et il me semble que j'en connais une à double tourelle de T-26. Oui, Bébé, viens. Oh, Hoffman, Kirusa, merci. Oui, Bébé, viens. Illumine-moi de ton... Mais c'est de Vickers. Oui, c'est de Vickers. Mais techniquement, le T-26, c'est un Vickers. Hein. Enfin... Hoffman, est-ce que tu veux choisir un véhicule? D'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'était sub tout à l'heure. Non mais je suis sûr que c'est le Vickers. En tout cas, il me semble que c'est la version à double tourelle. Enfin, on n'est pas là pour discuter de ça, on s'en branle. En tout cas, on a cette génération très prometteuse qui va théoriser et qui va aussi pousser au niveau du complexe militaro-industriel pour moderniser l'armée russe. À l'époque, les Russes ont un énorme problème début des années 30. T'as un T-26 à double tourelle, c'est ça, c'est bien ce que je pensais, il y a un T-26 à double tourelle. Le T-26 il vient de là, genre sans déconner. Le T-26 il vient du Vickers Seaton, c'est ça. D'abord, les Russes ont acheté sous licence des Vickers Seaton, ce qui a donné le T-26. Les Russes en tout cas vont. N'ont pas le complexe militaro-industriel, ni les ingénieurs, pour développer des équipements modernes. Rappelez-vous que des moteurs, des châssis, des suspensions, ce sont des équipements technologiquement complexes à produire. Les Russes ne sont pas capables de produire ça. Donc ils vont faire quoi, les Russes? Ils vont aller acheter sous licence des matériels. Et ils vont faire de la rétro-ingénierie pour récupérer le savoir-faire. Ce qui est extrêmement malin quand ils pensent. Et on a quoi comme exemple? Le Hispano 12Y, le moteur, l'Hispano Suiza 12Y, qui va finir dans les Yak, très important. Je veux dire, toute la génération de Yakovlev va être fait avec des moteurs de Hispano Suiza. Mais on a aussi la même chose avec les chars. Ils vont aller acheter en... Hop là, regardez cette très belle photo de... qui va donner le Klimov 105, absolument. Regardez, vous reconnaissez Tukhachevsky en bas à gauche? Donc ça, c'est la photo des 5 maréchaux qu'il y avait en Union soviétique en 36, juste avant les purges. Sur la photo, il y en a 3 qui vont passer à la trappe pendant les grandes purges. Alors, n'oubliez pas que les Allemands s'entraînaient avec les Russes dans les années 30. Vu que les Allemands, avec le traité de Versailles, ne pouvaient pas développer eux-mêmes des équipements, ils avaient un centre d'essai et... ils bossaient avec les Russes conjointement. Donc il ne faut pas oublier que l'Union soviétique et les nazis ont énormément coopéré d'un point de vue technologique dans certains domaines. Et probablement au niveau doctrine, il y a beaucoup de choses qui ont été échangées. Hein. Ça peut expliquer le fait qu'ils étaient... L'Union soviétique et les Allemands ont été très en avance dans ce domaine en termes de théoriser la guerre de mouvement et de la mettre en application. C'est qu'ils ont aussi travaillé ensemble. Ça, c'est John Walter Christie en 1915. Ce personnage est important, particulièrement puisqu'il a donné le nom à ce qu'on appelle la suspension Christie. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, c'est un type de suspension bien particulier. Donc là, vous avez ce qu'on appelle le Christie Tank de 1931. Les Russes vont acheter sous licence, donc ils vont même pas voler de quoi que ce soit. Hein. Les Russes vont acheter sous licence ce qu'on appelle le char Christie, qui va donner naissance à ce qu'on appelle... Alors, le châssis Christie, ce qu'on appelle vraiment la suspension Christie, a des avantages énormes par rapport à la mobilité en tout terrain. Mais la suspension peut être fragile, mais potentiellement
les performances sont exceptionnelles. Les Russes qui bossent veulent des chars extrêmement mobiles. Comme je vous dis, les Russes sont sur une logique de guerre de mouvement. Ils comprennent tout l'intérêt de ce châssis et ils vont développer ce qu'on appelle la série des chars BT, BT1, BT2, BT5, BT7. Et vous allez vraiment avoir... Là, vous avez par exemple un BT2, voilà. Sur châssis Christie. Donc les Russes vont développer, par rapport à ce qu'ils ont appris du châssis Christie, ils vont eux-mêmes développer une nouvelle série de tanks qu'on va appeler les chars BT. Ces chars BT sont importants puisque ce sont vraiment les chars avec lesquels les Russes vont développer, théoriser et mettre en application toute leur guerre de mouvement. En 1936, rappelez-vous que j'avais dit, il y a quelque temps, que les Allemands avaient tellement appris de la guerre d'Espagne. Genre vraiment, les retours d'expérience de la guerre d'Espagne pour les Allemands avaient été tellement importants. Bah, les Russes aussi vont apprendre de la guerre d'Espagne. Les Russes vont tirer beaucoup de leçons. Rappelez-vous que les Russes vont envoyer plus de 1000 tanks en Espagne. Ils vont aussi envoyer des conseillers militaires. Les conseillers militaires, on a des poulains de Tukhachevski qui sont là-bas. On va avoir des rétextes qui rentrent de quoi faire, comment faire. Les Russes vont apprendre de la guerre d'Espagne autant que les Allemands, voire peut-être même plus. Tout ça, ça va filer en Union soviétique et ça va continuer à alimenter toute cette genèse que les Russes sont en train de mettre en place. En plus de l'élargissement massif de leur armée, les Russes sont en train d'agrandir leur armée de façon démentielle, de vraiment augmenter la taille des armées, des brigades blindées. L'armée russe est en train non seulement d'augmenter taille, mais de se moderniser. C'est un énorme problème parce que les Russes n'ont pas forcément les cadres. Les Russes vont trop vite. Les Russes n'ont pas les cadres, l'encadrement pour une telle augmentation. C'est bien beau, par exemple, souvent, oui, il y a 1 million d'hommes dans l'armée, 3 millions d'hommes dans l'armée chinoise. Est-ce que c'est bien encadré? Est-ce que c'est bien entraîné? Est-ce que les personnels sont bien équipés? Est-ce qu'il y a de l'équipement pour tout le monde? La logistique. Les Russes veulent aller trop vite. Et en plus de ça, en 1937, il y a un événement catastrophique qui va avoir des conséquences terribles pour les Russes. Je pense que vous savez ce que c'est. Bien sûr, c'est les purges. Les grandes purges. Ah, l'Irak, 5e armée du monde, c'est exactement ça. Avec les chiffres, tu fais ce que tu veux. Les grandes purges vont être probablement l'élément le plus catastrophique et le plus décisif qui explique le désastre de 1941 de Barbarossa. Qu'importe que vous ayez eu que des T-34 ou quoi, ça n'a rien changé. En l'espace de quelques mois, tout le haut commandement russe, toute la chaîne de commandement russe, tous les mecs compétents vont être envoyés dans les geôles du NKVD, vont être exécutés, vont finir dans les goulags. Tukhachevski va être fusillé aussi d'ailleurs, avec d'autres maréchaux. Je crois qu'on va avoir en tout plusieurs milliers d'officiers supérieurs qui vont passer à la trappe. Et on se retrouve avec une gigantesque armée en pleine expansion. Et on vient de se débarrasser de tout le noyau dur qui allait former cette nouvelle armée. C'est une catastrophe. Genre, c'est une catastrophe parce que les Russes continuent en même temps d'augmenter. Alors attention, on a souvent dit que les idées de la guerre de mouvement étaient mortes avec la purge. Non, absolument pas. Malgré la purge et les gens qui militaient pour ça, les idées sont restées. Et les Russes ont continué à développer, malgré la purge, les idées. Mais le problème, c'est que vous venez de tuer dans l'œuf, les gens qui allaient mettre en œuvre cette idée. C'était obligé, les purges. On n'est pas là pour parler de ça. Les Russes ont fait ce qu'ils ont fait. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour les Russes. Parce que... Qu'est-ce qui se passe dans votre armée si vous virez tout le monde? Imaginez, demain, vous pouvez le faire, vous virez tous vos officiers. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire de la promotion canapé. C'est comme ça que j'appelle ça, moi, de la promotion canapé. Vous allez... Y a des lieutenants qui vont passer commandants. Vous allez mettre commandants généraux. Et vous allez vous retrouver avec des gens pas forcément incompétents. Vous allez vous retrouver avec des gens dans un poste dans lequel ils n'ont pas été préparés, entraînés. Et... On va avoir un vide de savoir-faire de 1938-39 jusqu'à... Il va falloir attendre, je déconne pas, il va falloir attendre l'été 42, le printemps 43, pour commencer à avoir une génération d'officiers russes qui arrivent à maturité au niveau expérience. Ils se sont tapés un trou énorme d'expérience, quasiment
de presque 5 ans à cause des purges. Ils ont tout purgé leur armée, des gens compétents et expérimentés. Et l'expérience, ça, bah, faut reprendre à zéro, apprendre sur le terrain, oui. Si vous regardez quasiment tous les cadres russes qu'on a en 43, c'est des mecs qui se sont fait botter le cul sur le terrain et qui ont survécu. C'est ça, manque de sous-officiers, manque d'officiers. L'armée rouge sur le papier est un titan, mais c'est un titan avec les pieds dans le ciment. Pire, on va continuer à parler de ça parce que c'est très important. À la suite des purges, l'armée rouge va être mise sous tutelle du NKVD et du ce qu'on appelle le commissariat. C'est-à-dire que vous avez deux chaînes de commandement dans l'armée rouge, deux chaînes parallèles. Vous allez avoir la chaîne de commandement basique, le sergent rencontre au lieutenant, le lieutenant rencontre au capitaine, etc. Normal, vous allez me dire. Mais on a une chaîne de commandement parallèle, c'est-à-dire que vous avez les commissaires politiques et un cadre de l'armée dans la chaîne de commandement de base ne peut pas prendre une décision sans l'accord du commissaire politique. Donc le commissaire politique va d'abord demander la permission à son capitaine commissaire qui va lui donner la permission, qui lui va donner la permission à l'autre en face, qui va pouvoir enfin approuver. On a une double chaîne de commandement qui fait que en 1941, à l'été 41, les Allemands ne comprenaient pas. Mais les Russes ne bougent pas. Les unités russes ne bougent pas. Parce qu'elles sont immobiles, alors que ce sont des unités mobiles. Et ça, c'est simplement que... Bah en fait, les Russes, leur chaîne de commandement est tellement lourde, tellement lente à fonctionner, que les Allemands, eux, qui sont à l'opposé de ça, et sortent de 2 ans de guerre où ils ont acquis une expérience incroyable, ont tout le temps de manœuvrer et de faire leur vie et de détruire des formations blindées russes. Et tout ça mis ensemble, les purges, cette double chaîne de commandement, explique en grande partie pourquoi le désastre de 41. Et c'est triste, parce que le soldat russe était un bon soldat. Genre, le soldat russe s'est battu incroyablement. Les Allemands, on ne se rend pas compte de l'échelle du désastre en 1941 pour les Russes. Les Russes perdent toutes leurs armées opérationnelles. Devant Moscou, on a des miliciens, on recrute les ouvriers et on a des milices. Les dernières armées russes, elles disparaissent à Vyazma devant Moscou en novembre 41. Il n'y a plus d'armée sur le front russe. Ils ont perdu toutes leurs armées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la catastrophe que c'est. Et ça, c'est totalement dû aux purges et aussi à cette double chaîne de commandement. Alors que les Russes avaient le savoir-faire, avaient les moyens militaires pour pas que ce désastre arrive. Mais ça vous montre que qu'importe que vous ayez eu des T-34 en 40, ça change rien. Ça change rien. Les Allemands sont pas totalement pépés. Ah, tu rigoles ou quoi? Les Allemands... Illumine-moi de ton foutre. Les Russes n'ont plus de troupes en 41. Ça a joué beaucoup, mais ça n'a pas tout fait. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Comment t'expliques que des unités russes se fassent encercler sans bouger? C'est que la chaîne de commandement est totalement atrophiée à cause de la lourdeur administrative. Il n'y a aucun esprit d'initiative parce que les officiers sont pas compétents et pas formés. Tout ça, c'est les purges. C'est pas moi qui le dis, putain. Va lire des bouquins comme sur Lopez et tout ça. Les purges sont les... C'est pas uniquement à cause de la chaîne de commandement. Bah, c'est à cause de quoi, Darfish, alors? Si les officiers ne bougent pas leurs unités, c'est qu'ils n'ont pas le droit de le faire. C'est qu'ils attendent l'autorisation des mecs au-dessus. Mais l'autorisation, elle vient pas parce que eux-mêmes doivent passer par leur commissaire et compagnie. Les unités, elles sont immobiles. Et en plus, quand elles peuvent aller au combat, elles se font avoir par des unités allemandes qui sont bien mieux équipées au niveau technologie, qui sont bien mieux entraînées et expérimentées. C'est une catastrophe. Voilà, à tous les niveaux. Et les Russes perdent des millions d'hommes, vont perdre des dizaines de milliers de chars. On va pas les dire les chiffres des pertes, mais c'est un désastre sans nom. Barbaro, ça. Et on a beaucoup de... On oublie souvent, mais le T-34, on a beaucoup de T-34 en service à l'été 41. On a plusieurs de... On a des milliers de T-34 en service. Et ces T-34, bah, vont rien faire. Ah non, mais bien sûr, Darfish. Mais les ordres du grand chef qui dit que... Ouais, mais tout ça, c'est la chaîne de commandement. Tu vois, Darfish. Ce que j'appelle du grand chef, ce que t'appelles du grand patron jusqu'au capitaine et les commissaires, tout ça, c'est la chaîne de commandement qui est totalement à la rue. Et ça, c'est un problème des Russes d'avoir voulu mettre la politique dans les unités, là où les Allemands, bizarrement, les nazis étaient un peu comme les bolcheviks, hein, faut pas se leurrer, hein. Mais les Allemands avaient plus de flexibilité
beaucoup plus de flexibilité au niveau tactique opérationnel. Et on voit cette différence. En tout cas, voilà, il fallait que je parle des purges et des conséquences que ça aura. Darfish, tu me fais chier, tu parles trop. Ouais. On reparlera de Barbarossa tout à l'heure pour parler un peu des DT-34. Vraiment plus spécifiquement DT-34 pendant Barbarossa. Donc ouais, Barbarossa, ça va être un désastre. En tout cas, on a des T-34 pendant Barbarossa. Donc, on va faire un petit retour en arrière. Et on va reparler. Je vous ai dit que les Russes avaient eu l'Espagne. Les Allemands ont eu l'Espagne aussi. Tu fais bien pour les foires aux livres, c'est vrai. Et les Russes vont avoir la chance incroyable d'avoir un autre théâtre d'opération, qui est l'Extrême-Orient. Eh ouais. Rappelez-vous que les Russes ont une frontière avec les Japonais. On a l'armée du Kwantung en Mandchourie, et que cette zone est une source de tension permanente entre le Mandchoukouo et les armées russes qui sont à la frontière. On va avoir deux incidents majeurs, un en 38, un en 39, la bataille du lac de Kazan en 38. Là, regardez, c'est des BT-7 magnifiquement camouflés. Ouais, c'est des BT-7, je pense. On voit bien la petite tour à l'arrière, je pense. Et on va vraiment avoir le. Attendez, je vais mettre le chat. Voilà, plus haut. Voilà. Donc ouais, ils vont avoir ces deux batailles majeures qui vont être incroyablement importantes pour les Russes. Déjà, à la bataille du lac de Kazan, ils vont perdre une cinquantaine de chars. Mais justement, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ce que c'est comme char. La tour à l'arrière ressemble bien à un BT-7. Mais il est bien camouflé, donc si quelqu'un. C'est des T-26, ça? T-26, ok. Alors, ouais. Alors, à Kazan, il y avait des T-26 et des BT-7. Il y avait des T-26 et des BT-7. Donc, sûrement des T-26. Les T-26 qui sont des chars d'accompagnement d'infanterie. Hein. Mais viens, Merci mais viens de Tartiflette! t'en foutre. Ah les gars, Mais je vais être chiant, viens, mais élimine-moi de t'en foutre. vous abonnez pas pendant. Faites au début ou à la fin. Merci Tartiflette. Mais ouais, à la bataille de Kazan, les Russes, qui est une espèce de bataille plus neutre qu'autre chose, les Russes vont perdre beaucoup de chars. Mais vont pas forcément en tirer les bonnes conclusions. L'année d'après, merci Tartiflette, hein. L'année d'après, le mec lui file des thunes et il se plaint, j'avoue tellement. Non mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça n'empêche, c'est pour dire que faites-le au début. Khalkhin-Gol. Khalkhin-Gol est une des batailles les plus importantes de l'année 39. La bataille de Khalkhin-Gol, elle n'est pas forcément connue. Ça, c'est des BT-7. La bataille de Khalkhin-Gol, elle n'est pas forcément connue parce que techniquement, le Japon et l'Union soviétique ne sont pas en guerre. C'est une bataille qui va durer quand même presque 5 mois, de mai, juin, juillet, août, septembre, ouais. De mai à septembre 40, 39, pardon, j'ai des bêtises, 39. Donc en fait, quand Khalkhin-Gol finit, la Deuxième Guerre mondiale commence. Khalkhin-Gol, c'est un espèce de combat frontalier qui va dégénérer entre les Russes et l'armée du Kwantung. Et on va finir avec de la guerre de mouvement et des opérations de blindés dans la profondeur, comme les Russes l'ont appris, en fait, et comme ils l'ont théorisé. C'est des BT-5. Ça, c'est des BT-5, d'accord. J'ai toujours du mal entre des BT-5, BT-7. Comme je dis, moi, je suis pas un pro des chars russes. Hein. C'est pas trop mon. Moi, je suis un Werabou, il me faut des chars allemands. Mais pareil, j'ai toujours du mal entre des BT-5 et BT-7. Hein. En tout cas, on va avoir des opérations majeures de la part des Japonais, qui ont aussi leurs chars. Hein. Rappelez-vous que les Japonais ont des chars. On a les bons vieux. Alors, ces chars-là, je les ai déjà traités en plus. Hein. Les types 89 et les types 97, je les ai traités dans War Tank. Non, pas le type 89, mais le type 97, j'ai traité. Et en tout cas, on va avoir des opérations massives de tanks. Ça va être vraiment des opérations massives de tanks, comme les Russes l'avaient fait en théorie. Alors, techniquement, sur le papier, les Russes, c'est un gros succès pour les Russes. Même si les pertes des Russes vont être catastrophiques, particulièrement au niveau de leurs chars. Les Russes vont perdre presque 250 tanks à Khalkhin-Gol. C'est énorme. Les Russes vont perdre énormément de tanks. Ça va être une très mauvaise surprise pour les Russes. Alors là, regarde, normalement j'ai un BT-5 là. Ça, c'est un BT-5, je crois.
Je pense que c'est un BT-5 sur la photo. Là, on voit d'ailleurs un équipage russe qui se rend, un officier japonais. En tout cas, d'ailleurs, on voit que le char BT est pas forcément grand par rapport aux gars de l'équipage. Donc ouais, les Russes vont perdre énormément de chars. Et les Russes sont pas cons. Ils sont beaucoup de choses, les Russes, mais ils sont pas cons. Ils vont se demander pourquoi est-ce qu'on perd autant de chars. Et ils vont se rendre compte que simplement... les types 89 et les types 97 ont entre autres, je crois c'est du 37 et 57 mm en armement principal. Et ben les chars japonais ont aucun problème à détruire les BT, les BT-5, les BT-7, les T-26. Les chars japonais croquent sans problème les chars russes. Et ça c'est une mauvaise surprise pour les Russes. Les Russes ne pensaient pas que leurs chars mobiles serait aussi vulnérable. Surtout la série des BT sur laquelle ils avaient beaucoup misé en termes de mobilité tactique. Ils sont surpris de voir que les chars japonais plus lents n'ont aucun problème à aligner les chars BT. Pire, les Japonais vont très très vite apprendre les faiblesses des chars russes et vont développer des techniques de combat au corps à corps avec leur infanterie pour détruire les chars russes. Les Japonais, alors la série des chars BT sont des moteurs à essence. C'est du kérosène, c'est du gasoil qu'ils mettent dedans. C'est pas du diesel, alors que le T-34 est un diesel. Ça peut sembler con, mais une des conséquences de Calking Gold lorsqu'on va revenir au T-34 va être que les Russes vont, entre autres, changer de moteur. À Calking Gold, les Russes vont. Les Japonais, les Chinois, putain, les Japonais vont devenir pros, entre autres, à détruire les BT en faisant enflammer les moteurs avec des cocktails Molotov. Les plaques de blindage étaient tellement mal vissées que les Russes... Oh, Nanos! Merci pour les bits, Nanos! Les boulons! Oui! Mais figure-toi, Nanos, que les boulons des chars BT étaient tellement mal branlés et mal vissés à cause de la pauvre qualité de la main-d'œuvre russe que quand tu lançais un cocktail Molotov sur les plaques de blindage, bah l'essence enflammée atteignait le moteur et les Russes se sont rendus compte avec effroi que les chars prenaient feu avec les équipages encore dedans. Et tous ces retours d'expérience vont être renvoyés à Moscou. Les Russes se rendent compte que les chars BT, avant tout le monde, rappelez-vous qu'au début de l'automne 39, les Russes viennent de se rendre compte, avant les Allemands, avant tout le monde, que les chars potentiellement mobiles, les chars légers, sont extrêmement vulnérables à des canons de 37 mm, à des canons à Ablis, à haute vélocité, même des canons de 57. Les Russes se rendent compte que il va falloir commencer à penser à blinder les véhicules plus. Et le T-34 est vraiment... je vais verser mon tribut au chancelier. Putain, n'importe quoi. Merci, Nanos. Après 38, ils mettent un moteur diesel dans les nouveaux BT-7. Bah voilà. Comme dit Darfish, les Russes apprennent et ils se rendent compte que... ils ont des problèmes avec leur moteur à essence, je pense, au niveau... Alors, peut-être pour des raisons logistiques aussi, le diesel était plus intéressant. Mais en tout cas, le Calking Gold va être un exemple où ils vont comprendre qu'il faut abandonner les moteurs à essence et partir full diesel. Le diesel brûle, s'enflamme beaucoup moins. Et donc, les Russes se rendent compte de beaucoup de leurs faiblesses. Les Russes se rendent compte de beaucoup de leurs faiblesses à Calking Gold. Et les expériences de Calking Gold ne vont pas être perdues. D'ailleurs, c'est Zhukov qui commande à Calking Gold les dernières contre-attaques. Et Calking Gold va être une énorme mine de retour d'expérience et de savoir pour les Russes. En tout cas, dites-vous que le T-34 est déjà en genèse avant Calking Gold. Les Russes ne vont pas lancer le programme du T-34 aussitôt. Directement après Calking Gold. On a un mec qui s'appelle Mirael Koshin. Regardez le beau gosse. Alors là, il est jeune. Hein. Normalement, il n'était plus âgé que ça quand il a commencé à bosser sur le T-34. Alors, dès 1937, les Russes vont commencer à bosser sur un successeur plus lourd. Donc, ils vont commissionner Mikhail Koshin, cet ingénieur avec son OKB, pour bosser sur un BT amélioré. On va appeler ça comme ça. En partant de toutes les qualités du BT-7 que sont la mobilité tout-terrain, la mobilité sur route, mais avec plus de blindage et plus d'armement. Le proto n'était pas le A-32. Si, absolument. En fait, on a eu le A-20. Le A-20. Le A-32 serait un peu le proto qui a pris les leçons de Calking Gold, où ils vont améliorer pas mal de choses. Et après le A-32, on a ce qu'on appelle le T-34 modèle 1940. Voilà.
Donc en tout cas, les Russes... Hop là. Pardon, ça c'est le moteur, voilà. On a ce qu'on appelle le A20. En 1937, donc avant Calkingol, dès 1937, on a notre Michael machin là, qui a commencé à bosser sur une espèce de futur BT7. Ça, c'est le A20. C'est vraiment le truc qu'ils ont fait de base. Ils ont même pas encore le support de Moscou. Genre, ils ont pas encore le support de Moscou officiel pour vraiment faire quelque chose de sérieux. C'est ce qu'ils vont proposer. D'ailleurs, vous voyez que c'est un petit canon de 45 mm qu'il y a dessus. Bah, c'est un début. Et vous voyez quand même, regardez, en termes de design, on est en 1937, le A20. Vous avez vu comme ce char, par rapport à ce que nous on sait aujourd'hui de l'évolution des chars, mais ce char en termes de design, il est incroyable, il est magnifique. Vous avez vu ça? L'armure, le blindage avant qui est surbaissé, qui est incliné, c'est un beau char. Genre, c'est un superbe char. Alors, eux, à l'époque, ils le savent pas. Ils ne le savent pas encore, ce qu'ils ont dans les mains, mais c'est un beau design, c'est un beau design. Les Russes ont très tôt compris l'avantage d'avoir un blindage extrêmement les chenilles larges, bien sûr, les chenilles larges. Alors ils vont les tester hein, comme des tarés. Hein, c'est les Russes, comme je vous dis, ont testé les protos. Tu vas parler du T50? Non, je vais parler du T50. Je vais faire l'impasse sur le T50. Il y a trop à dire déjà sur ça de base pour vraiment trop rentrer dans le détail. Mais on a ce A20 qui va en tout cas arriver devant Moscou. Hein, et au même moment, on va avoir les retours d'expérience de Calkingol. Et les retours d'expérience de Calkingol sont extrêmement importants au niveau du blindage. Entre autres du blindage. De la mauvaise qualité, entre autres du riftage, les retours d'expérience sont totalement dingues. Les Russes vont prendre tout ça en compte. En tout cas, les équipes de Mikhaïl Kochkine, elles vont avoir ces retours d'expérience et elles vont surtout avoir l'autorisation express de Staline pour continuer à bosser. Et ça, c'est important parce qu'ils vont avoir les fonds et tout ce qui va bien pour continuer à bosser. Ils vont mettre un V12 diesel. Donc, plutôt que de refaire de l'essence, les mecs se sont rendu compte que les moteurs à essence avaient leurs problèmes. Ils vont mettre un V12 diesel, un bon gros moteur, un bon V12 dedans. Le moteur du T-34 était un bon petit char. Hein. Un bon petit char, un bon moteur. Hein. Pas mal de chars à l'époque étaient déjà sous-motorisés. Le T-34. Alors, il va être alourdi au fur et à mesure des versions, hein, et le moteur va être aussi amélioré. Hein. Je crois qu'il y a bien 5 ou 6 tonnes d'écart entre un... Ou peut-être pas autant. 3-4 tonnes d'écart entre un T-34-85 et un T-34-1940. Donc forcément, plus le poids va augmenter, les Russes, pour conserver les performances, vont devoir améliorer le moteur. Mais c'est quelque chose qui va être fait. En tout cas, on va avoir... Voici le A32. Nouveau canon. Donc là, les Russes vont commencer à mettre... vont vraiment... On arrive sur T-34. Nouveau moteur, canon plus lourd, nouveau blindage. Les équipes de Mikhaïl Kochkine, à la fin de 1939, vont sortir deux prototypes. Donc, qui sont vraiment les descendants du A20. Ce qui va devenir le T-34. Hein. Ça, là, on est sur de la base T-34. Les deux premiers protos, vraiment. Attendez, je vais vous montrer. Donc, ça sort fin 39. Et. En janvier 1940, regardez. J'aime beaucoup cette photo parce que vous avez. Hop là. Tout à gauche, vous avez un BT7. Vous avez tous les protos, là, tous les protos des chars russes. Vous avez le bon vieux BT7. Et après, vous avez toute la série avec les prototypes jusqu'à ce qu'on appelle le T-34. Le T-34-76, modèle 1940. À droite. Absolument Darfish. Tu sais, Darfish, que les Russes ont donné deux T-34 76 modèle 41 aux Alliés. Ils les ont donnés et les chars ont été décortiqués par les ingénieurs alliés à Aberdeen, à leur centre de test. Et les Alliés. C'est une ligne d'évolution Pokémon, complètement. Les Alliés ont tiré de très très belles conclusions
sur le T-34 au niveau qualité, au niveau défaut. Et ils ont noté, ils ont vraiment magnifiquement compris tous les défauts du T-34, des premières versions, modèle 40 et 41. Alors souvent, le modèle 40 va être mis en service, les chaînes de montage vont être lancées en avril 40. Vous voyez qu'on est bien avant Barbarossa. On est bien avant Barbarossa. Et on est. Ouais, les premiers T-34 commencent à sortir d'usine presque un an, avril, mai, juin, 1 an et 2 mois avant Barbarossa. Vous voyez que le T-34 était massivement présent dans les armées russes au moment de Barbarossa. Donc quand les généraux allemands vous disent oui, le T-34, quel char incroyable, ouais, si, y en avait des milliers en service en 1941. Si ce char était une arme miracle, vous aurez renvoyé à Moscou d'un coup de pied aux fesses. Donc non. Ce char a des problèmes. Ce char a des problèmes. Les premiers T-34 modèle 76, en termes de design, déjà c'est une. Je vais vous mettre un éclaté du char. Voilà. J'aime beaucoup cet éclaté parce qu'on voit bien l'ergonomie du char. Déjà, on voit qu'une particularité. Ils sont deux dans la tourelle. Intéressant. Canon de 76, ils sont deux dans la tourelle. Pour manipuler un canon de 76 mm, c'est extrêmement problématique. Il faudrait une tourelle à trois personnels pour avoir un tireur, un chargeur et un chef de char. Là, en fait, on retrouve sur un petit problème français que le chef de char va devoir aider à la manipulation du canon. Et ça, c'est un problème. L'ergonomie a été mal pensée sur le T-34. Ils sont tombés un peu dans le piège français. Alors, l'ergonomie au niveau confort, il n'y en a pas. Hein, pour faire simple, il n'y en a pas. Le manque d'ergonomie à l'intérieur s'explique du fait de la place prise par les réservoirs. Ah ouais, par les suspensions Christie, les réservoirs sous le plancher. Aïe, 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 aïe. J'en ai déjà parlé, le T-34 est un char qui cassait physiquement ses équipages. Genre vraiment, les équipages étaient cassés physiquement par le char. Pourquoi pas de la mousse sur les sièges tant qu'on y est? Ça peut sembler bête, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour vos équipages. Parce que les équipages, ils vivent dans le char pendant plusieurs jours. Et là, d'un coup, ils vont être cassés physiquement. Bon, bah, c'est pas bien. En tout cas, j'aime beaucoup noter sur le T-34-76, modèle 40 et 41, puis après encore, ils auront cette tourelle à deux personnels. Ça va changer. Donc, on a quatre membres d'équipage. Vous voyez bien les quatre membres d'équipage, hein. On a le chauffeur, le mitrailleur qui fait peut-être office de radio, si radio il y a. Et on a les deux mecs en tourelle avec une surcharge de travail pour le chef de char. Ça, c'est un problème économique, surtout quand en 1941, les Russes n'ont pas hésité à envoyer des mecs avec 72 heures de formation dans les chars. 3 jours de formation pour les équipages de tanks, ils les ont envoyés au casse-pipe. Donc, ouais. Voilà quoi, la catastrophe, hein. Sur le papier. La ventilation, mais t'as pas besoin de ventiler, tes mecs sont déjà morts dans le char, tu sais. Donc voilà. Hein. Le T-34, en termes de design, je pense, est un char à fort potentiel. Mais le T-34 modèle 1940 est une abomination sur beaucoup d'aspects, en termes d'ergonomie, en termes de confort pour les équipages. Les seuls chars qui étaient prévus pour les radios, avec des radios, c'était les chars de commandement. Le problème, c'est que les officiers savaient même pas utiliser les radios. Ils savaient pas utiliser les radios, les officiers. Donc en fait, on avait déjà un char sur 10 qui avait des radios, et en plus, les mecs savaient pas utiliser les radios. On se retrouve avec bah, des chars allemands, des chars, pardon, russes, des formations de T-34 pendant Barbarossa qui manœuvrent au drapeau, qui essaient de manœuvrer au drapeau. Voilà, on est à l'été 41, on a les formations de T-34. Potentiellement, le T-34, je vais reparler de ses performances au combat. Gros potentiel. Et bah, les Allemands, ils voient ça. Et bah, les Allemands, vous allez rire, mais potentiellement, ils se marrent. Parce que les Allemands, eux, c'est full radio. Tout le monde a les radios. On fait les grandes manœuvres. On appelle l'aviation, on appelle l'artillerie. On coordonne les armes et le support. On est dans deux univers différents. On est dans deux univers différents. Et ça, c'est une catastrophe. Piège à obus. Un piège à obus, c'est quand, en fait, ton obus, s'il touche à un certain endroit, ne peut pas ricocher et sortir. C'est ce qu'on appelle un piège à obus.
Le T-34, c'est le meilleur char russe en 41. Oui. Oui. Mais le problème, c'est que qu'importe que tu aies un bon char ou un mauvais char, tout autour est verrouillé. La chaîne de commandement, la logistique. Alors, les pertes estimées sont à plus de 2000 T-34 pour l'été 41. 50% de ces pertes sont dues à la mécanique des chars. Le T-34 n'est pas forcément. Les premiers modèles de T-34 ne sont pas forcément des chars fiables, entre autres à cause de la suspension, qui a des gros problèmes. Vous pouvez pas faire des énormes distances avec un T-34. Il va tomber en panne. Et ça, c'est un énorme problème. Parce que 50% des chars qui tombent en panne, ça veut dire que la logistique ne les récupère pas, ne les répare pas. Ça veut dire qu'il y a un manque potentiellement. Est-ce qu'il y a une logistique? Est-ce qu'il y a une logistique? Est-ce qu'il y a des stocks de pièces détachées? Est-ce qu'il y a des mécanos compétents pour réparer le char? Rappelez-vous que le T-34 est un char nouveau qui a été introduit à partir de l'été 1940. Est-ce que la logistique a été formée à réparer ce char? Est-ce qu'il y a les outils pour réparer ce char? Sans déconner! Gros problème à cause de la fabrication, bien sûr. Spitfire du 60 lève un très bon point. Je vous ai dit que les Russes avaient d'énormes problèmes d'un point de vue qualité de leurs équipements. Entre autres à cause du manque de main-d'œuvre qualifiée, mais aussi de la pression sur les usines. Les chars sortaient parfois pas finis, soudés à l'arrache. Quand ils étaient soudés, c'était une catastrophe. Vraiment. Ce char était sur le papier un bon char. Son opérationnabilité montre que c'était pas bon du tout. Tant au niveau de la fiabilité du véhicule que de ses performances au combat. À l'été 41, l'été 34, ils vont se faire étriller. Pendant la bataille de Brody, les Allemands fait proute. Mais oui, mais ça, on a tout le temps quelques exploits héroïques où on a des T-34 qui ont fait des trucs incroyables. C'est pour ça que ça a marqué les esprits, comme les B1. C'est comme les B1. Sauf que les B1 étaient totalement dépendants de leur logistique. Mais les T-34 aussi. Un char n'est aussi bon que la logistique qu'il y a derrière. Et le T-34, on a eu des exploits dingues de quelques T-34 qui ont fait le café. Mais c'est anecdotique. C'est anecdotique. Alors là, regardez. Alors, on a 400 T-34 modèle 40 qui vont sortir dans l'année 40. Entre avril et septembre, on a près de 400 chars. Et après, on va très vite basculer sur le modèle 41. Alors, c'est quoi le T-34 modèle 41? C'est simplement un T-34 avec Élimine-moi de ton foutre. un nouveau canon. Viens, Alors, les Russes n'étaient pas élimine-moi de ton contents foutre. du premier canon de 76, donc ils vont mettre un nouveau modèle de canon de 76 qui va être mis sur le modèle 41. Merci Passiclore pour le resub. Et en plus de ça, on va avoir du blindage qui va être ajouté. Comme je dis, les Russes sont quand même en train de lourdement blinder le T-34. Le T-34 est très bien blindé. On a le L11 pour le F-34. Exactement, c'est ça. C'est le L11. Donc c'est le même calibre, mais ils n'ont pas les mêmes capacités, je pense, au niveau vélocité. En tout cas, on va passer sur un modèle 41, et on a en effet plusieurs milliers de chars qui sont opérationnels. Alors, les photos, elles sont dingues, hein. Souvent, regardez ça. Ce sont des beaux chars. Je suis désolé, mais on ne peut pas. En termes de design, on ne peut pas ne pas aimer le T-34. Regardez ça. Ça, sans aucun doute, c'est pris en 41, je pense. Et on voit encore malheureusement les soldats russes à gauche qui ont été tués. Mais le T-34, en termes de design pur et performance papier, le T-34 est le meilleur char, sans aucun doute, présent sur le champ de bataille. À l'été Et 41. viens, élimine-moi de ton foutre. Merci Etaville Viens, pour le sub! élimine-moi de ton foutre. Et c'est le meilleur char sur le champ de bataille, sans aucun doute. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les Allemands. Les Allemands ont des problèmes. Parce que les Allemands, à l'époque, l'anti-char, c'est quoi? C'est du 37 mm! Mais le 37 mm, ça lui fait rien en T-34! Ça lui fait rien du tout! Même le 50 mm, ça lui fait rien du tout. Alors, sur le flanc assez près, le 50 mm peut percer le T-34. Mais il va falloir arriver de flanc pour pouvoir taper. Et les Allemands n'ont pas tant que ça. Faut comprendre qu'au printemps 41, les Allemands, au niveau anti-char, n'ont pas grand-chose. Ça peut sembler bête, mais c'est un choc. C'est un choc pour les Allemands, le T-34. Parce qu'ils n'ont rien pour le percer. Il n'y a pas encore de PAK 40.
Étonnamment, les Allemands n'ont pas appris de la bataille de France où ils ont rencontré des chars de lourd blindage et ils n'ont pas introduit de nouveaux matériels anti-chars. Et les Allemands arrivent en Russie avec leurs bites et leurs couteaux et les mêmes armes anti-chars que la campagne de France. Et bah, on a quelques exploits dingues où on a un char russe qui va traverser les lignes, écraser un canon de 37 et qui va quasiment aller jusqu'au QG allemand 14 km dans les lignes et qui va tomber en panne d'essence devant le QG allemand après l'avoir détruit à l'été 41. Voilà ce genre d'exploit qu'on a où ils connaissaient le Tatanka des Allemands avant Barbarossa. Non. Les services de renseignement ont dû passer des infos. Alors, un jour je parlerai de ça, mais les Allemands ont totalement loupé Barbarossa au niveau du renseignement. Au niveau du renseignement, les Allemands ont lourdement merdé. Les Allemands ont merdé toute leur compréhension de l'armée rouge, les capacités industrielles de l'Union soviétique. Les Allemands ont fait de la merde. Je peux poser le bloc 150 comme avion. Bien sûr, je crois pas que je l'ai en plus. Je vais voir de ce pas. Et les avions français sont toujours la bienvenue. Je ne le vois pas, donc normalement c'est bon. Hop là. Merci ta ville. Hop là, voilà. Les renseignements à main pour Barbarossa, c'est à la louche. C'est ça. Donc non, les Allemands ont vraiment merdé Barbarossa au niveau du renseignement. Et les destructions de l'Union soviétique qu'ils ont faites, les destructions de l'armée rouge qu'ils ont faites, se sont dit qu'ils avaient vraiment gagné la guerre. On a capturé des millions de soldats, on a détruit des milliers d'avions et de chars. Ils n'ont pas compris la capacité de l'Union soviétique à produire de nouveaux matériels. C'est quelque chose qu'ils ont sous-estimé, c'est la capacité industrielle comparée à la leur. Et ça, c'est quelque chose qu'ils vont payer en 42. En 42, les Allemands, ils sont convaincus d'avoir gagné la guerre quand ils voient les destructions qu'ils occasionnent à l'armée rouge sur la boucle du Don. Ils se disent, mais comment ils font? Et à chaque fois, on a encore des centaines de chars qui arrivent, et les Allemands comprennent pas. Ils pensent vraiment que les Russes sont à bout. Sauf que les Russes, en plus, ont déplacé leurs usines entre-temps. Et en réalité, les pertes allemandes à l'été... les pertes allemandes à l'été-automne 41 sont catastrophiques, absolument. Souvent, on se focalise sur les pertes soviétiques, mais Barbarossa est une saignée pour les Allemands. Oui, ils font des encerclements massifs. Oui, ils avancent de centaines de kilomètres en capturant des villes majeures comme Kiev, Smolensk. Mais les Allemands, leurs pertes, quand les Russes se battent, incroyablement. Et les Allemands prennent des pertes catastrophiques. C'est une saignée terrible pour les Allemands, Barbarossa. Parce qu'ils perdent des soldats qualitatifs. Ces soldats, ils seront jamais remplacés. Les soldats perdus à Barbarossa, ils seront jamais remplacés en termes d'expérience et de qualité. Barbarossa est une saignée pour les Allemands. Une saignée terrible. Et ça, souvent, on l'oublie. Comme je dis, ça fait partie de ces mythes où on se focalise un peu trop sur les pertes russes au détriment des pertes allemandes. En tout cas, les T-34. Les T-34 se font manger par une armée allemande tactiquement et opérationnellement bien meilleure. Et peut-être que les T-34 sont capables de miracles, comme le B-1 bis, mais en aucun cas, le T-34 n'est jamais en position de changer quoi que ce soit. Les Allemands font ce qu'ils font de mieux. Ils manœuvrent. Ça peut sembler con, mais rappelez-vous que une formation de T-34 russe, elle n'a pas de radio, elle n'a pas de contact interarme, elle n'a pas d'artillerie. Elle avance tout droit et elle espère tout casser sur le chemin. Les Allemands, ils font quoi? Ils apprennent vite. Ils se replient, ils contournent. Les Allemands, ils ont des chars peut-être potentiellement moins forts. Rappelez-vous que à Barbarossa, les Allemands, ils sont en 38T, ils sont en Panzer 3, Panzer 4 court. Revoyez un peu ce qu'ont les chars allemands comparés au T-34. Comme je dis, le T-34 sur le papier est de loin le meilleur char sur le champ de bataille présent en termes de qualité sur le papier. Sauf que les Allemands ont une chose que les Russes n'ont pas, c'est une expérience incroyable, une excellente coopération interarmes. Très souvent, c'est l'artillerie allemande qui détruisait les T-34 ou les Stuka. Et c'est les chefs de char qui les guidaient directement sur les cibles. Et l'armée allemande était très forte à ça. Voilà. Les Allemands manœuvrent là où les Russes peuvent pas. J'aime bien la comparaison de dire que les armées russes, à l'été 41, c'est des espèces de géants pris avec les pieds dans le béton. Alors que les Allemands sont plus petits, mais sont capables de se faufiler, trouver les faiblesses de l'ennemi et taper là où les Russes ne peuvent pas se défendre, en fait.
Bien sûr, à coup de 88 ou 105 tirs tendus, bien sûr, on a eu du 105 mm en tir tendu pour détruire du T-34. Parce que l'artillerie anti-char, à proprement parler, était incapable de détruire les T-34 de face, c'était impossible. Donc je peux comprendre que les Allemands ont eu, les généraux allemands se sont fait bombarder de retour et de rapports de leurs unités qui parlaient du T-34 comme un char impossible à détruire. Alors que, en soi, le T-34 était facile à détruire. Mais on en a fait un mythe, c'est un mythe. Le T-34 en 41 n'est pas décisif, il se fait écraser, il est engagé dans des conditions terribles, avec des équipages pas entraînés, avec aucune communication interarme. Oui, sur le papier, c'est un bon char, mais dans les faits, et en tenant compte de tout le reste, c'est un char comme un autre. Voilà. Alors, le T-34, on va en revoir en 1942, hein, comme vous pouvez vous en douter, 43. Le char va continuer à évoluer. Les Russes vont beaucoup apprendre de leurs erreurs. Et j'en parlerai de ça dans la suite, la semaine prochaine. On va surtout avoir cette transformation extrêmement importante du char, ce qu'on appelle le T-34-85. C'est pas seulement juste un nouveau canon de 85 mm qu'on va lui mettre, c'est qu'on va avoir une transformation totale au niveau ergonomique du char, puisqu'ils sont allés rajouter un cinquième membre d'équipage. Je sais pas, c'est important. Ils vont rajouter un cinquième membre d'équipage. Ils auraient potentiellement pu le faire avant, mais ça aurait imposé trop de contraintes industrielles d'amener la nouvelle tourelle, parce que oui, ils ont amené une nouvelle tourelle, les Russes, sur le T-34, pour pouvoir faire ça. Donc ça, on parlera un petit peu plus dans le détail. Donc la semaine prochaine, on reprendra là, et on commencera à parler des derniers modèles de T-34 et de son évolution dans la Seconde Guerre mondiale, bah, jusqu'à la fin de la guerre, tout simplement. Jusqu'à Moscou, où le T-34, à la fin, est quand même le char le plus présent dans les unités blindées russes, et que les Russes vont commencer à exceller dans la guerre de mouvement. Ils vont montrer au maître que l'élève a appris. Et les T-34-85 seront généralement les fers de lance dans toutes les offensives russes. Hein. L'opération Bagration, les T-34-85 ont fait des centaines de kilomètres avec leur logistique derrière eux, en camion, pour continuer à pousser. C'est assez dingue. Donc on parlera un petit peu de... Oui, je parlerai des... Je parlerai des entre-versions. Je vais pas sauter directement au T-34-85. Donc voilà. En tout cas, je parlerai un peu des versions. Et après, on parlera de l'après-guerre. Parce que le T-34 a eu une carrière incroyable après-guerre. C'est pour ça que je pouvais pas faire deux parties. C'était un peu trop pour moi. Ça aurait fait, je pense, un war tank un peu trop long à mon goût. Et on parlera de toute la carrière après-guerre. Parce que... En Corée, pendant la guerre de Corée, on a encore des T-34, on a des T-34-85. On a des photos de T-34-85 en Corée. Totalement dingue. Il y a même des T-34-85 qui après ont été capturés en Corée, envoyés aux États-Unis pour être testés au niveau de la qualité du blindage, pour voir comment les Russes faisaient leur blindage. Génial, non? Donc ouais, et jusqu'à encore récemment, on a encore des T-34 qui traînent aux quatre coins du monde. Là, il y a eu la parade russe hier ou avant-hier, je crois, pour le 9 mai, il y a 3 jours. Et ils avaient des T-34. Je vais expliquer comment les Russes ont des T-34 aujourd'hui pour faire des parades. Parce que les Russes n'avaient plus de T-34 dans les années 2000 et quelques. Les Russes avaient plus de T-34. Et ils ont fait un espèce de coup diplomatique où ils sont allés en récupérer parmi un des derniers utilisateurs au monde, je crois, qui était le Laos. Ou un truc du coin. Et on reparlera, et je vous montrerai un peu des photos des derniers T-34 qui sont encore en service de façon... Ils sont dans les inventaires russes de l'armée russe, ils sont considérés comme chars de l'armée russe. Donc les Russes ont encore, à des fins de communication, ont encore des T-34. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Donc on parlera en détail, parce qu'il y en a eu partout. Les guerres civiles au Yémen, il y a eu des T-34. En Afrique, il y a eu des T-34. Faut comprendre que là, le char en 1941 était pas encore extrêmement fiable. Il y avait beaucoup de défauts que les Russes vont corriger au fur et à mesure des versions. Mais ce char va devenir un char incroyablement fiable, logistiquement fiable, je veux dire, facile à entretenir. Un char très pratique. Oui, je pense Darfish, que c'est encore aujourd'hui, ça doit être le seul char de la Seconde Guerre mondiale, en tout cas qui est dans des inventaires d'armées actifs.
Mais ça reste dingue, ça reste incroyable. Donc on parlera de tout l'aspect d'après-guerre la semaine prochaine. Voilà, en tout cas, je voulais vraiment... attendez, j'ai quelques photos que je ne vous ai pas montrées. Regardez-moi ces très belles photos d'un groupe mécanisé allemand. On voit bien le véhicule de commandement devant avec la grosse antenne radio. On voit qu'il y a du Panzer 2 et tout ça. On voit du SDKFZ. Magnifique le Panzer 2. Hein. Donc là, on est en Russie. Vous imaginez Panzer 2 ? Panzer 2 face à un T-34, vous faites prout. Vous faites prout. Vous espérez que le mec a eu une journée de formation avec son canon de 76 et qu'il ne sait pas l'utiliser. Parce que Panzer 2, vous êtes dans la merde. Hein. Oui, bébé, viens, illumine-moi de ton foutre. Merci Fitri pour le resub. Bébé, viens, illumine-moi de ton foutre. Fitri, si tu veux un véhicule, n'hésite pas. Oui, c'est ça. En fait, Spitfire du 60 a tout dit. C'est que, il faut comprendre que pour les Russes, amener une modification majeure sur les T-34-76 aurait été potentiellement contre-productif parce qu'il aurait fallu changer les lignes de montage, donc perdre du temps et produire moins de chars. Les Russes avaient désespérément... Un Wargun peut-être ? Non, pas de Wargun. Fitri, pas encore. Pas encore. J'ai déjà énormément de choses à faire. Ils avaient encore les Panzer 1. Alors les Panzer 1, moins à l'été 41, ils étaient surtout utilisés pour l'écolage ou des transformés en Panzer 1 Befehlwagen, donc en véhicule de commandement. Donc on avait des Panzer 1 Befehlwagen. J'ai demandé le char le plus surestimé de la Deuxième Guerre mondiale. C'est quoi ? Bah c'est pas le T-34, le char le plus surestimé de la Deuxième Guerre mondiale. Hop là. Donc là, regardez, pareil, vous avez un très beau T-34-76 qui brûle. On voit d'ailleurs que la trappe du pilote est en train de brûler. Un avion bulgare, ça marche. Je vais essayer de te trouver ça. Ah oui, de la version de 57. Bah, en fait, c'est le même principe. Hein. Les Russes pouvaient pas se permettre de modifier leur ligne de montage. D'ailleurs, pour l'anecdote, Spitfire du 60, tu sais que le canon du modèle 41... Ah, le Tigre 1. Je le note, Hoffman. Le canon de 76 du T-34 modèle 41, il a été monté d'usine sans demander l'autorisation. Donc en fait, on avait une usine qui a commencé à sortir des T-34 modèle 41 avec un nouveau canon, alors que les autres usines n'avaient pas eu la permission. Et c'est les retours d'expérience des mecs sur le front qui ont dit « on veut ce canon » qui a poussé les autorités à modifier les chaînes de montage. Mais les Russes traînaient des pieds à modifier les chaînes de montage pour pas perdre du temps de montage, tout simplement. Si vous modifiez vos chaînes de montage avec des nouveaux armements, vous allez devoir prendre le temps d'accepter de couper les chaînes pour pouvoir sortir des véhicules. Et les Russes pouvaient surtout pas se permettre à ce moment-là. Ouais, c'est un énorme bordel, le complexe militaro-industriel russe. Hein. C'est un énorme bordel. Alors, le Tigre... Non, mais attends, on m'avait pas demandé le Tigre dans ma liste de tanks. Bah, le Tigre, on me l'a demandé la semaine dernière. Le Tigre, on me l'a demandé la semaine dernière. Je suis désolé, Hoffman, hein, mais le Tigre, on me l'a demandé la semaine dernière. Alors, attends, j'ai vu un... Papy Boyington. Ah, la série! Il faudra que je la regarde. Ça marche. Zabil. Hop là. Dûment noté, je vais le noter. Hop là. Hop, 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 hop. Voilà. Ouais. C'est bon, Zabil a été noté. Merci Zabil. Alors Hoffman, tu as le Tigre 2. Ah bah d'accord. Le Tigre 2, putain, Tigre 1, Tigre 2. Non mais je vais faire un seul War Tank pour les deux peut-être. Non, non, non. En fait, c'est quand même deux chars très différents. Le Tigre 1 et le Tigre 2, même si c'est la même base, il y a quand même, en termes de design, on est sur deux designs très différents. Tigre 1, Tigre 2, putain, le cadeau quoi. Hop là. Donc ouais, le T-34, le bilan, c'est que le T-34, c'est la logique des Russes par rapport à ce qu'ils ont appris. En Espagne, malgré tous leurs problèmes politiques, pas celui de... Ah, pas celui de Chlore, je l'ai pas vu. Pas celui de Chlore, si tu es là. Ah ouais, mais on a la commu qu'on mérite, ouais, j'en doute pas.
Donc ouais, le T-34, en fait, c'est pas un char sorti de nulle part. Les Allemands se sont fait avoir en n'étant pas au courant de... Ah, il est parti. Ah, dommage. Tant pis. Tant pis, merci à lui, en tout cas. Mais ouais, c'est un char qui est pas sorti de nulle part. C'est la continuité logique des BT-7 qui ont découvert qu'ils pouvaient se faire percer par des chars japonais et qu'il fallait augmenter le blindage. Et on a vraiment une espèce... Non! Silence d'Arfiche. Tu as le chiffre de T-34 produits au total? Oh là là, c'est plus que ça. Est-ce qu'on n'est pas sur 40 000 T-34 produits, voire même 48 000? Je sais que le char le plus produit, c'est le T-55. Et que avant le T-55, c'est le T-34. Mais on doit en avoir plus de 20 000 détruits pendant la guerre. T'as vu les kits de dynamo pour Boy T-34? Oui, c'est génial. Je vais parler. Spitfire du 60, je vais parler des Boy T-34. Parce que les Allemands, les rois de la récup, ils en ont utilisé énormément des Boy T-34. Ah, il a la bataille de la mer de Corail. Ouh, je vais prendre la bataille de la mer de Corail. Hop là, merci de m'avoir dit. Oui, bébé, viens, illumine-moi de ton foutre. Oui, bébé, viens. Non, n'offrez pas Darfish! N'offrez. Oh, mais arrêtez d'offrir des subs à Darfish. Pourquoi vous faites ça? C'est un camarade. C'est un camarade. Toi aussi, t'es encarté chez Mélenchon? Putain. Putain. Alors, Darfish, tu veux quoi? Tu veux quoi, Darfish? C'est pas possible d'avoir des cancers pareils. Le T-60, bah, tu vas l'avoir, ton T-60. Hop là. Darfish, T-60. Hop là, c'est dûment noté. Bah voilà, voilà pour mon introduction au T-34. Donc je suis désolé d'avoir passé autant de temps sur remettre un peu le contexte, mais il fallait pour expliquer pourquoi le T-34 est aussi à la rue à l'été 41, vous êtes obligé de parler des grandes purges, d'expliquer les problèmes de commandement, choisir un maquis de saut pour un Warbird. Ah bien sûr, Tartiflette, bien sûr, mais je crois que j'ai déjà les... Les maquis 202-201. Alors. J'ai le maquis. J'ai le 205. J'ai le 202. J'ai le maquis 202 et le maquis 205. J'ai le maquis 202. Et voilà. Voilà. Va falloir trouver autre chose, Sartiflette. Donc ouais, Et viens, illumine-moi de ton Ah, foutre. les gars, ça suffit avec les subs! Illumine-moi de ton foutre. Laissez-moi finir mon exposé! Merci, tonton Pétain. Comme d'habitude, tu choisis ce que tu veux. Salut, Mozuta! Donc je pense que ça, c'est la même photo prise... Donc là, regardez, on voit bien le bloc moteur qui est en feu. Regardez à l'arrière. Donc en fait là les trappes du moteur sont dessus le char. C'est pour ça que les équipages russes, les soldats russes, aimaient bien se mettre sur les Et trappes du viens, moteur. illumine-moi de ton foutre. Oh là là, Et ce viens, spam! illumine-moi de Ce ton foutre. spam! Bayer amateur, merci à toi! Oui, il y a l'équipage qui brûle, hein. Le AB-41. Je vais même pas oser aller voir ce que c'est, je vais te faire confiance. Et je vais. Hop, hop, hop. Voilà. Merci de ton pétain. Toujours un plaisir. Et Spitfire du 60 aussi, hein. Hop là. Sinon, je te laisse choisir PP. Ouh, de mon choix. Je suis toujours content d'avoir des trucs de mon choix. Comme ça, je pourrais commencer à faire des batailles et tout ça. Hop là. Merci à toi, Tartiflette. Hop là. Hop, hop. Autoblinda 1941. Ça, c'est intéressant. Hoffman, les beats! Autoblinda 1941. Merci Hoffman! Donc, ouais, je disais, souvent vous allez voir des photos avec l'infanterie russe sur les chars. Les Russes ont toujours eu des problèmes de véhicules mécanisés pour accompagner. Ils auront des camions à la fin de la guerre, mais souvent en 42-43, vous allez voir les Russes qui sont sur les chars, ce qui était extrêmement dangereux, hein. Mais l'infanterie aimait bien aller sur les chars. Vous verrez souvent les soldats qui sont. Assis au milieu! En fait, dessous, il y a les trappes du moteur, des gaz d'échappement. Donc potentiellement, ça pouvait vous asphyxier.
Mais vous aviez chaud. Donc en hiver, fallait choisir entre potentiellement être asphyxié, mais avoir chaud. Donc très souvent, les Russes aimaient bien être derrière la tourelle pour profiter de la chaleur des trappes du moteur, qui était un des points faibles du T-34 d'ailleurs. Hein. Vous verrez que... J'ai trouvé les chiffres pour le T-34. 84 000 plus 13 000, c'est incroyable. Sidérant, 84 000. C'est ouf, hein. Vous vous rendez compte? Et c'est pas le char le plus produit. Son successeur, T-54, T-55, ils vont en faire encore plus. Incroyable. Mais il fallait voir comment ils les produisaient. C'est ce que j'ai commencé à essayer de vous faire comprendre. C'est qu'ils les produisaient comme des animaux. Souvent, je vois des gens dire que le T-34 est le meilleur char de la guerre. Et je suis pas d'accord. Moi, je vais vous dire ce que je pense de ce qu'est le meilleur char de la guerre. Et je sais que certains vont grincer des dents quand je vais dire ça. Mais je pense que le Sherman est le meilleur char de la Seconde Guerre mondiale. Parce que le Sherman est un char de logistique. Un incroyable char de logistique. Il a été développé pour la logistique. Et surtout... C'est un char qualitativement, en termes de finition qualitative, qui est exceptionnel, le Sherman. Et les variantes du Sherman ont montré qu'elle n'avait aucun problème à manger du tigre et compagnie. Le Sherman, et rappelez-vous que le Sherman était amené depuis l'autre bout du monde. Le Sherman, il était fait dans des usines à Détroit, et il se battait en Europe. Et je suis désolé, le Sherman, je sais que c'est dur... D'un point de vue purement industriel et logistique, le Sherman est une petite merveille. Alors que le T-34, faut voir la gueule des T-34 qui arrivaient sur le champ de bataille. Faut voir la gueule des IS-2 qui arrivaient sur le champ de bataille. Les soudures pas finies, les patins qui se cassaient. Les Russes auront pendant toute la guerre un énorme problème d'avoir de la main-d'œuvre qualitative pour avoir des standards hauts. Les Américains avaient cette main-d'œuvre qualitative. Et la finition du Sherman est... En termes de T-34, absolument. Et je pense que le T-34 était le char dont les Russes avaient besoin. Les Russes n'avaient pas besoin d'un Sherman. Les Russes, ils avaient besoin du T-34. Donc oui, pour les Russes, le T-34, c'est de loin le meilleur char. C'est ce qu'ils avaient besoin. En combat pur, le Panther, ouais, sans aucun doute. Le Panther, c'est le premier MBT en termes de qualité. Ouais. Et pour la log, ouais, je suis d'accord avec Darfish. En termes de log, le Sherman, sans aucun doute. Et les T-34, les Russes n'ont pas besoin de Sherman, ni de Panther. Ils ont besoin de T-34. Et le char est parfait pour leur industrie. C'est une affreuse machine, rustique as fuck, mais un excellent design qu'il leur faut. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. On continuera la semaine prochaine. Et on repartira sur les autres versions après le T-34 modèle 40-41. Et ensuite... on attaquera le gros morceau T-34-85, on parlera des opérations de la fin de la guerre, je dirais peut-être un mot sur l'opération Bagration, parce que c'est un peu un chef-d'œuvre mécanisé avec les points de blindés russes en T-34-85 qui ont poussé façon totalement dingue sur près de 500 km, la plus grosse défaite militaire des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est Bagration, hein, vous l'aurez pas, hein, c'est pas Stalingrad, hein. Bagration est un désastre pour les Allemands. Genre, c'est un désastre qu'on n'imagine même pas. Souvent, en fait, pendant Bagration, il y a le débarquement en Normandie. Parce que Bagration commence le 22 juin 1944. Et le débarquement le 6 juin. Donc, on se focalise souvent sur les opérations à l'ouest. Et on oublie qu'on a Bagration... où ils perdent un corps d'armée entier en même pas deux semaines. 50 divisions anéanties. Là, tu te dis, putain. Totalement dingue. Donc ouais, voilà, on parlera de ça, et surtout on parlera de l'après-guerre. On verra un peu la carrière opérationnelle du T-34, où il a été utilisé, jusqu'à quand, qui l'a utilisé. Je parlerai aussi peut-être des versions un peu spécialisées, j'ai vu des versions de dingue du T-34, donc on parlera un peu de tout ça. Donc voilà, c'était mon introduction, première partie pour le T-34, et puis rendez-vous la semaine pro. Demain, j'ai une foire aux livres, très intéressante, sur les opérations au Levant des Alliés pendant la Première Guerre mondiale. On va parler potentiellement de Gallipoli. Oh, Tartiflette, merci pour les bits. Merci pour les bits. Donc ouais, on va parler un petit peu du front méconnu. Les déneigeuses, entre autres. Entre autres. Je vais aller trouver des versions totalement dingues. Laurence Darby. Alors, je ne sais pas exactement tout. J'ai pas eu encore son dossier entre les mains. Il va m'envoyer tout ça demain. Donc ouais, mais on va parler du front méconnu qui est un peu l'Orient, tout simplement. Les Balkans, absolument, les Balkans. Voilà. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous abandonne. Passez une bonne soirée. Et pour ceux qui sont là pour l'armée d'Orient française, c'est ça, l'armée d'Orient française aussi.
Donc ça va être un sujet très intéressant que moi-même je connais pas bien. Et j'ai hâte d'apprendre et qui m'intéresse. Donc je vais apprendre des choses, ce qui est très bien. Bon, sur ce, je vous abandonne. Passez une bonne soirée, bonne semaine. À la semaine prochaine pour ceux qui veulent voir la suite du T34. Et puis, ciao, ciao. Allez, salut tout le monde. Bye bye.